aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. Encore une fois je vous amène avec moi cette semaine pour vous présenter un peu ce que je fais, etc. Cette semaine du coup, aujourd'hui on est quel jour? On est le lundi 3 avril exactement. J'ai eu cours ce matin, j'ai accueilli aussi ma stagiaire, ça y est j'ai une stagiaire pendant 2 mois pour ma boutique en ligne Corelle Shop, donc on a fait une petite visio etc, c'était vraiment très chouette. Donc voilà, elle va s'occuper des réseaux sociaux, elle va s'occuper aussi de la prochaine collection de printemps qui va bientôt sortir normalement. Voilà, ça va être vraiment chouette en tout cas. Et puis je suis contente vraiment parce que ça me soulage d'un poids. J'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail en ce moment. Et c'est vrai que j'ai tendance un peu à délaisser ma boutique en ligne, chose que ben ouais ça me rend un petit peu triste. Donc là je me dis le fait que j'ai une stagiaire, ça va me permettre de développer encore plus ma boutique et puis de lui déléguer certaines tâches. Et en plus pour elle ça va être super intéressant puisqu'elle va vraiment voir... bah finalement comment créer une collection, comment lancer une collection etc, donc je pense que ça va être hyper bien pour elle aussi. Donc voilà, là il est quelle heure exactement? Il est 15h15, ah 15h15. Là je viens de terminer mon article de blog, j'avais un article de blog à rédiger. J'ai aussi terminé le montage de mon réel qui sortira jeudi, puisque maintenant toutes les semaines en fait je fais un réel un peu réflexion du jeudi avec une citation positive où je parle etc. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. Voilà, donc ça c'est fait. Je suis en train de voir mon outil Trello là, puisque moi je m'organise toujours sur l'outil Trello. Donc ouais, ça c'est fait. J'ai commandé aussi, j'ai fait une petite commande sur Photobox. J'ai commandé 200 tirages de photos. J'ai tiré mes photos de Guadeloupe pour pouvoir faire un vrai album photo. Donc j'ai trop trop hâte. Voilà, ça c'est fait, j'ai commandé ça. J'ai fait tout ce qui est déclaration URSSAF et déclaration de TVA, puisque ça y est, on est début du mois. Voilà. Donc ça c'est fait aussi. Et là ce que je compte faire c'est qu'il me restera ce soir pour bosser à faire le montage de la vidéo que vous avez vue du coup la semaine dernière, puisque moi je fais le montage cette semaine. Il faut que je fasse ça, mais en soi sinon la journée est déjà bien entamée. Ah oui, et je voulais aussi continuer à travailler sur un autre projet, mais ça généralement je travaille un peu plus le soir. Donc ouais, en tout cas je suis bien avancée. Je suis trop contente aussi, je vous ai pas dit, bon je blablate encore, je suis désolée. Mais demain c'est, enfin non c'est pas l'anniversaire de ma maman, c'est mercredi l'anniversaire de ma maman. Mais elle vient demain avec mon papa et ma soeur sur Colmar. Donc ils viennent me rejoindre pour passer la soirée ensemble et pour fêter son anniversaire. Puisqu'après moi je travaille mercredi et jeudi, donc je pourrais pas rentrer en fait chez mes parents. Donc ils viennent sur Colmar demain soir et ils dorment ici. On va aller au resto et tout, ça va être trop trop cool. Et du coup il faut que j'emballe aussi les cadeaux d'anniversaire, donc il faut que je fasse ça cet après-midi aussi. Mais avant toute chose il faut que j'aille faire un petit peu quelques courses, parce qu'on va faire un petit apéro quand même demain à l'appartement, et ensuite on ira au restaurant, mais il faut que j'aille faire des courses. Donc je vais vous amener avec moi, on va aller à Action parce que j'ai vu qu'il y a des petites nouveautés, donc j'aimerais bien acheter quelques petites nouveautés pour le ménage. Notamment j'ai vu un produit sur Instagram qui m'a l'air vraiment top, donc je voudrais acheter ça. Et après on va passer à Lidl pour acheter des petits trucs pour l'apéro. Donc je vous amène avec moi, j'arrête de blablater vraiment et on y va. Bon du coup je suis passée à Action, j'ai pas trouvé le produit d'entretien que je voulais, je suis un peu déçue. Je sais pas si vous avez vu passer sur Instagram, mais c'était de la pâte rose appliqué en fait sur l'évier etc, et ça fait vraiment un résultat nickel. Donc bon je l'ai pas trouvé, j'espère que je le trouverai la prochaine fois. Je suis passée aussi à Lidl pour chercher donc des trucs pour l'apéritif de demain. J'ai pris des olives et j'ai pris une pâte feuilletée, du jambon pour faire des petits croissants au jambon aussi. Et puis pour les petites choses à Action, je vous montre quand je rentre chez moi, j'en ai à peu près pour 10 minutes de route. Donc voilà, je vous montre ça en rentrant. Retour de chez Action, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose parce que bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais, je suis un peu déçue. Comme je vous disais, je voulais vraiment trouver ce petit pot rose là, pink c'est écrit dessus, je sais. C'est une pâte rose à appliquer pour nettoyer, mais je l'ai pas trouvé.
J'ai pas de chance, dans mon action il n'y était pas, donc j'espère que la prochaine fois il y sera, j'espère vraiment, mais bon. Mais du coup j'ai quand même pris quelques petites choses, notamment ce petit photophore comme ceci en cristal. En fait c'est un photophore que je vais offrir à ma maman aussi pour son anniversaire parce qu'elle en voulait un, donc je me suis dit bah, voilà, je vais lui rajouter dans ses cadeaux même si j'ai déjà terminé ses cadeaux. En tout cas il est super beau, vous mettez une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur et ça peut vraiment faire joli. Ah ça je suis trop contente par contre d'avoir trouvé, j'ai regardé la vidéo de d'Elsa Makeup il n'y a pas longtemps et elle parlait de ce produit là, enfin c'est sa maman qui lui conseillait, c'est un produit pour blanchir les dents. Alors franchement je sais pas trop si ça va être bien mais je me dis que bon autant tester, je vais regarder d'ailleurs comment ça se présente, ouais c'est un stylo en fait comme ça. Donc voilà, à voir, à tester, je vous en reparlerai si c'est pas mal. Hop, donc ça j'ai pris. Ensuite j'ai repris des rasoirs Bic, voilà, pas très intéressant. J'ai repris aussi des gants pour faire la vaisselle, pas très intéressant non plus. Et enfin, le dernier truc que j'ai pris, c'est des stylos marqueurs comme ça, un peu métallisés roses. Parce que comme je vous disais, je vais faire un album photo de la Guadeloupe et je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre des petites annotations comme ça avec des jolis stylos. Donc voilà, j'ai pris ça, ça m'a coûté dans les 1,50€ je crois. Donc voilà, à tester s'ils sont bien quoi. Donc voilà, comme quoi j'ai pas pris grand chose vraiment, mais je me dis au moins je me suis pas ruinée, donc c'est une bonne chose. Je vais ranger tout ça et je vais continuer un petit peu à travailler puisque là il est quelle heure ? Il est 16h43, ouais, je vais travailler encore une petite heure, comme ça, ce sera terminé pour ma journée. Et puis voilà, de toute façon, je pense que je vais vous amener avec moi demain aussi, voilà, dans ma journée, emballage des cadeaux de ma maman, etc. Et voilà, écoutez, je vais aller travailler. Je vais vous remonter un petit peu, je pense, voilà, je pense que là vous me voyez mieux. Je me suis posée dans mon lit, il est 8h30 donc il est assez tôt, mais j'avais envie de me poser un petit peu au lit, de me mettre de la crème pour le corps, d'ailleurs elle sent trop bon. C'est du lait pour le corps que j'avais acheté en Guadeloupe, mais vraiment c'est du lait corporel de massage à l'aloe vera et au lait de coco, et franchement elle sent mais divinement bon. En fait ça me rappelle trop la Guadeloupe, ça me fait... Ouais, je suis nostalgique maintenant. Mais du coup ouais, je vais m'hydrater les jambes avec ça parce que bientôt c'est le printemps, enfin on est au printemps mais bientôt il va faire beau, potentiellement on va remettre des robes et des shorts. Donc j'ai envie d'avoir les jambes bien hydratées bien sûr. Voilà, je pense qu'on fait tout ça. Moi perso l'hiver je pense que je me mets de la crème pour le corps, je sais pas, une à deux fois par mois et encore. Par contre l'été, ouais, tous les soirs. Donc bref, voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais un peu me poser pour lire, regarder des petites vidéos YouTube. J'ai vu qu'il y a des vidéos YouTube qui sont sorties et je suis une grande fan, hein, bien sûr, de toutes les vidéos YouTube de plein de youtubeuses. Comme vous le savez, moi, je vais faire un petit top 3 de mes influenceuses préférées, tiens. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, ma number one en ce moment, c'est Andy Ella. Que j'adore, j'aime trop ses vidéos, elles sont hyper bien travaillées, etc. Donc je dirais ouais en première Andy est là. En deuxième, bon j'aime bien Noémie Makeup Touch, voilà les vlogs j'aime beaucoup. Et en ce moment j'aime bien aussi ah oui, j'aime bien aussi Poxy. Je sais pas si vous connaissez, mais Poxy j'aime trop. En fait j'aime beaucoup son humour, etc. Donc voilà mes trois influenceuses que j'aime beaucoup regarder en ce moment. Et d'ailleurs Poxy a sorti il y a pas longtemps une vidéo où elle partait toute seule en Guadeloupe. Et c'est comme ça que je suis tombée sur sa chaîne. Donc voilà. Bref, je vais regarder un peu des vidéos YouTube et je vais lire. Attendez, je vais chercher mon livre. Je reprends, ça y est, je reprends les fameux livres After. Que j'adore. Je les ai déjà tous lus en fait. Il y a 5 tomes. Et genre à chaque fois il y a beaucoup de pages quand même. Là on est à presque 800 pages, plus de 800 pages sur le premier tome. Mais voilà, c'est trop une belle histoire, etc. Enfin voilà, je trouve que... Bref,
Je saurais pas comment dire, mais si vous ne les avez pas encore lus, lisez-les vraiment. Je vous conseille peut-être de lire avant les livres avant de regarder la série, enfin la série des différents films. Maintenant, je pense que peut-être potentiellement vous avez déjà vu les films. Mais si vous n'avez pas encore vu les films, commandez d'abord les livres parce qu'ils sont vraiment bien. Et si vous voulez les avoir pas trop chers, ils sont sur Vinted généralement, ils sont pas trop chers. Moi j'en avais acheté deux, je crois, sur Vinted, les autres je les avais achetés neuf. Mais ouais, sur Vinted ça vaut le coup, franchement. Donc ouais, là j'ai repris, là je suis à la page quoi, je suis à page 33, j'ai juste repris hier vite fait. Mais voilà, je suis trop contente, ça me... Je sais pas, ça me redonne espoir, on va dire, en l'amour. Donc bref, voilà, je vais faire une petite soirée tranquille et puis on se retrouvera demain matin. Donc demain, il y a mes parents qui viennent et ma soeur, je suis trop contente. Donc bref, je vais un petit peu bosser quand même le matin et tout. Et puis après, je préparerai l'apéro, je rangerai un peu l'appartement, etc. Et voilà quoi. Bon, allez, je vais vous laisser, je vais faire une petite soirée tranquille et puis on se retrouve demain matin. Deuxième jour dans ma semaine, je me suis même pas maquillée ce matin parce que vraiment j'avais l'allergie à fond. Et du coup, comme je me gratte les yeux, je me suis dit, laisse tomber, je vais pas me maquiller tout de suite, je vais me maquiller plutôt en fin de matinée. Là, je viens de terminer le montage de la vidéo qui est sortie du coup pour vous la semaine dernière. Donc c'est en train d'exporter, je vais ensuite la poster sur YouTube. Donc voilà, j'ai bien avancé ce matin, il est 10h52, donc c'est bien. Ensuite au programme, je vais aller sur mon petit outil Trello pour vous dire un petit peu ce que j'ai à faire. Donc j'aimerais faire un petit peu de ménage vite fait parce que comme je vous le disais aujourd'hui, il y a mes parents et ma soeur qui viennent dormir chez moi ce soir et fêter l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, je voudrais aussi emballer les cadeaux. J'ai toujours pas emballé les cadeaux, donc il faut vraiment qu'on fasse ça ensemble juste après. Ensuite je vais recevoir une partie en tout cas de la collection printemps pour Corelli Shop, pour ma boutique en ligne. Normalement ça devrait pas tarder à venir. Du coup j'aimerais bien filmer un petit peu des plans pour faire ensuite un réel Instagram pour montrer voilà, que la nouvelle collection arrive, etc. Et le montage vidéo, ce sera ma stagiaire qui va le faire, donc ça c'est chouette, ça me débarrasse un petit peu de ça parce que c'est quand même long à faire, on se rend pas compte, mais ça prend du temps. Donc voilà, moi je vais juste filmer les plans et ensuite lui envoyer. Et ensuite, il faut aussi que je fasse un cours pour la semaine, pas... Ouais, si, c'est la semaine d'après. Enfin, la semaine prochaine, il faut que je continue de faire un cours pour mes élèves. Un cours sur tout ce qui est newsletter et montage vidéo. Donc, je vais faire ça aussi. Et voilà, moi, en tout cas, je suis contente parce que ça avance bien. Ça y est, opération emballage cadeau pour ma maman du coup. Écoutez, je vais vous montrer avant les cadeaux que je lui ai fait. Peut-être que ça peut vous intéresser et vous donner des idées aussi si c'est l'anniversaire de votre maman ou pour la fête des mères qui va arriver bientôt. Alors, du coup, on a fait les cadeaux avec ma sœur. Donc ma sœur a aussi des cadeaux de son côté, mais on va tout réunir après. Alors, premier gros cadeau, c'est le lisseur d'Emélis que moi j'avais eu en partenariat et que elle a adoré. Du coup, je lui ai acheté aussi le même. C'est un lisseur vapeur qui est juste exceptionnel. Franchement, il coûte pas très cher. Je crois qu'il coûte, je l'ai payé dans les 80€, il me semble. Mais il est génial, vraiment il est génial. Donc ça, c'est son premier cadeau. Ensuite, dans le petit pochon Nocibé, je lui ai pris une CC crème Herborian puisqu'elle m'avait pris un échantillon en fait que j'avais reçu et elle a adoré. Du coup je lui ai pris le grand format, mais ça c'est hyper cher, j'étais choquée, ça coûte dans les 40€. Donc bon voilà, mais en tout cas je comprends pour le prix parce que moi du coup là j'ai testé aussi des échantillons et vraiment c'est, j'aime trop, je pense que je vais aussi m'en acheter. Ensuite elle voulait aussi des pinceaux à maquillage pour le fard à paupières, donc je lui ai pris celui-ci, j'ai le même, c'est le Omnia Botanica. Il est vraiment super, il est très fluffy et tout, et pour appliquer le fard à paupières il est génial. Et je lui ai pris un autre pinceau comme ça, biseauté, pour faire des traits de crayon en bas et tout, c'est quand même mieux. Donc voilà pour ça. Du coup hier je lui ai repris ça aussi.
Et ma sœur, elle lui a pris des pierres, etc. parce qu'elle aime beaucoup les pierres. Donc ce sera à rajouter aussi dedans. Voilà. Et puis après, mon papa, j'ai aussi des cadeaux de mon papa pour ma maman. Parce qu'il s'est pas trop emballé, du coup je vais le faire pour lui. Il lui a pris un truc comme ça. Enfin, c'est pour brûler l'encens. Il est genre trop trop beau. Voilà. Et il lui a pris aussi deux maillots de bain. Deux maillots de bain rouge-gorge. Donc voilà, bref, je vais emballer tout ça et puis on se retrouve après. Mais je viens de faire mes petits croissants apéritifs, donc voilà, c'est très facile, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent comment faire, mais voilà, j'ai fait avec du jambon et de la moutarde et puis du gruyère râpé aussi dessus, donc voilà, je vais les mettre au frigo parce que c'est pas pour tout de suite, là il est que 13h15, je vais les mettre au frigo et ensuite j'aurai juste à badigeonner avec un jaune d'œuf et les mettre au four pendant à peu près 10-15 minutes et puis ce sera prêt pour ce soir, pour l'apéro de ce soir. Donc je mets ça au frais et après je vais vous montrer, j'ai reçu, ça y est, le colis pour la collection Corel. Donc c'est un premier fournisseur, il n'y a pas toutes les pièces, mais ça vous donne une petite idée quand même des premières pièces qu'il y aura dans la collection printemps de Corel. Donc je mets ça au frigo et je vous montre. Ça y est, du coup j'ai ouvert mon colis avec les prochaines pièces de la collection printemps et franchement je suis trop contente. Donc je vous montre un petit peu assez rapidement, mais il y aura une petite veste comme ça. Une petite veste un peu bombers comme ça, trop trop jolie. Bon, elle sera pas à 62€, hein, moi c'est le fournisseur qui vend à 62€, moi je vais la vendre moins cher. Hop, je vais en ouvrir une pour voir comment ça se présente. Ouais, elle a l'air trop canon, franchement elle est trop canon. Voilà à quoi elle ressemble. Hop, avec un peu effet froissé là, et puis le motif, vraiment elle est trop trop belle, franchement je suis trop contente. Et en plus c'est bien, c'est une fermeture. Donc vraiment top, la qualité est incroyable, ça vient du Portugal, franchement à l'intérieur aussi c'est hyper bien fait. Donc je valide entièrement cette petite veste pour le printemps, ça va être parfait. Et ensuite j'ai pris des petits t-shirts aussi comme ça qui ont l'air trop trop agréables, pareil je vais pas les vendre 40€, mais je vais vous montrer aussi, je vais en ouvrir un, de toute façon il faudra que j'essaye les pièces. Hop. Et en fait là c'est des manches qui sont un petit peu spéciales, qui ont l'air vraiment belles. Alors c'est un t-shirt basique en soi, mais il y a des manches comme ça, un peu effet boule comme ça, trop trop joli, avec le petit détail ici. J'adore, franchement magnifique aussi. Je vous montre un peu plus loin. Et pareil, ça va être super mignon pour cet été et ce printemps. Donc trop contente. Bon, je vais continuer de voir si tout a été bien au niveau du stock, s'il y a tout. Et puis, après on va continuer la petite journée. Troisième jour avec moi et je vous prends un peu tard aujourd'hui. Il est 17h54, donc ouais, je vous prends un petit peu tard. Mais comme vous le savez, hier c'était l'anniversaire, enfin aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Mais on a fêté hier soir, mes parents et ma soeur sont venus sur Colmar. Donc on a bien fêté, on a le resto, etc. Et ce matin, du coup, ils étaient encore un petit peu là. Après cet après-midi, j'avais cours à l'IUT. Du coup je vous ai pas amené non plus, et là je viens de rentrer, je viens de me mettre en habit de sport comme vous avez pu le voir, parce que ce soir c'était pas prévu, mais je vais rejoindre une amie pour un cours de fitness au Champ de Mars à Colmar. C'est un peu un parc comme ça, ils organisent assez régulièrement des petits cours gratuits pour les habitants en fait. Donc c'est grave cool, c'est la première fois que je vais y aller, mais mon amie y allait déjà quelques fois il me semble, et apparemment c'est pas mal, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant je m'y tiens vraiment à ma séance de sport une fois par semaine, donc je suis contente. Voilà, je vous filmerai des petits passages, je pense plutôt du Champ de Mars, mais après quand on va faire le sport, à mon avis ça va être un petit peu plus compliqué de filmer, donc à mon avis je vais pas filmer tout simplement. On se retrouvera ce soir pour une petite soirée tranquille. Une fois que je vais rentrer, je vais prendre ma douche tout simplement, je vais me faire à manger et puis je vais me poser un peu, parce que aujourd'hui vraiment ça a été dur, j'avais mal à la tête toute la journée, je sais pas vraiment ce que j'avais, mais vraiment très fatiguée et tout,
Donc carrément au début d'après-midi, j'ai fait une petite sieste avant d'aller à l'UT parce que vraiment j'étais trop fatiguée. Donc bon, voilà, maintenant j'arrête encore une fois de blablater parce que je parle beaucoup trop et puis je vais y aller puisque j'ai à peu près un quart d'heure de marche pour rejoindre le groupe pour le cours de fitness. Rentrer, bon il fait vraiment vraiment trop froid dehors. En fait pendant la séance de sport c'est vrai que bah, une fois qu'on avait fait l'échauffement et tout c'était hyper agréable, mais là maintenant je suis frigorifiée en rentrant parce que j'avais encore un quart d'heure de marche, donc ouais je suis frigorifiée, mais ça a été une super séance, franchement je suis trop contente, et puis de rencontrer un peu du monde comme ça fait toujours plaisir. L'équipe était vraiment trop gentille. Je me suis surpassée, vraiment une heure de sport pour moi c'est pas dans mes habitudes on va dire, mais c'était vraiment trop chouette, donc je pense que je vais y retourner. C'est tous les mercredis à Colmar, donc je pense que je vais y retourner. En plus c'est gratuit, donc franchement que demander de plus. Là maintenant il est 20h, donc il est assez tard. Je vais aller me prendre une douche et ensuite je vais me faire à manger. Je vous montrerai un peu ce que je fais. Ça va être un truc assez simple, mais voilà. Mais j'ai très faim quand même. Et après ça va être soirée un petit peu tranquille. Il faut que je révise un petit peu mon cours de demain pour mes étudiants parce que demain on va faire un cours sur Excel. Donc j'ai des bases à leur apprendre, etc. Donc j'aimerais bien relire les étapes en tout cas pour que demain ce soit tout opérationnel. Mais en attendant, je vais aller à la douche. J'en ai bien besoin. A tout à l'heure pour le repas. Au menu de ce soir, j'ai fait quelque chose de très rapide. J'ai fait des haricots avec du sel des Caraïbes qui est juste là, que j'avais ramené de Guadeloupe. C'est trop bon. J'ai fait une petite escalope comme ça de poulet pané et une galette de pommes de terre. Et voilà, je pense que c'est un repas bien équilibré après du sport. Donc voilà, ça va être prêt et on va passer à table. Bon appétit! Jour 4 avec moi, je vous reprends. Ce matin j'avais cours jusqu'à 10h. Après je suis rentrée, j'avais un appel en visio, donc j'ai pas pu vous prendre. Mais voilà ce que j'ai récupéré là, il est midi 56. Je viens de me poser d'arrêter de travailler, donc je vais manger après. Mais je viens de recevoir toutes les photos de la Guadeloupe. Donc j'ai 3 paquets comme ça parce que j'ai imprimé plus de 200 photos. Mais je suis trop contente franchement. J'ai trop hâte de vraiment bien les voir et tout, et surtout de les voilà à quoi ça ressemble, de les trier. Voilà le joli coucher de soleil par exemple. Je les ai achetés sur Photobox. Ouais, Photobox. Je viens de terminer de manger, il est 13h30. Et là comme vous pouvez voir je suis habillée, j'ai mon sac etc. parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de colle pour coller mes photos sur l'album photo. Donc j'ai un Auchan pas loin de chez moi à 5 minutes à pied. Du coup je vais voir s'ils en ont. Et je vais peut-être me prendre un petit dessert aussi parce que j'ai un petit peu encore faim. Donc ouais je vais faire ça. Et de toute façon on se retrouve juste après en espérant vraiment vraiment que je trouve de la colle parce que j'ai trop envie de faire mon album photo cet après-midi une fois que j'aurai fait toute la vaisselle etc. Parce que j'ai un peu de bordel là, donc ouais on va croiser les doigts pour moi et on se retrouve juste après. Accompli, j'ai tout, j'ai repris du parmesan aussi parce que c'est trop la vie le parmesan, donc voilà j'ai pris de la U classique puisqu'en fait il n'y avait que ça, mais j'espère que ça collera bien quoi. Avancer l'album photo cet après-midi, j'en suis au 25 décembre, on est resté jusqu'au 29 donc il me reste quelques jours, mais malheureusement j'ai plus de colle, j'ai bouffé un tube de colle entier alors que j'avais pris les gros en plus pour vous dire, donc bon. Mais du coup je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc déjà j'ai fait une petite page de garde comme ça avec écrit souvenir de... Ouh, je sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, je vais juste redresser un peu. Voilà, ce sera mieux quand même. Souvenir de Guadeloupe, donc 19 décembre 2022 au 30 décembre 2022.
Voilà, ensuite bah, du coup j'ai commencé avec des photos dans l'avion, etc. La première soirée, un petit bain de minuit quand on est arrivé. Hop, le premier jour, qu'est-ce qu'on a fait? Donc à chaque fois, je note ici jour 1 et ce qu'on a fait. Voilà, avec quelques photos à chaque fois. Voilà. Ici aussi. Hop, et puis au fur et à mesure, le jour 2, etc. Donc voilà, mais franchement je suis trop contente, ça rend vraiment trop bien et je trouve ça trop agréable en fait de pouvoir feuilleter un album comme ça, comme nos parents et nos grands-parents faisaient en fait tout simplement. Et je pense qu'on devrait faire ça un peu plus souvent. Donc voilà, pareil ici, là les photos là elles sont trop drôles je trouve. Voilà, ici c'est le jour 4, donc le 24 décembre on est allé sur l'île des Saintes, donc on a mis les bonnets de Noël et tout, c'était trop sympa. On avait fait des jolies photos. Le plus dur, c'était de sélectionner les photos parce que j'en ai plus de 200 et bah, malheureusement, je ne pourrais pas toutes les mettre. Donc bon, on en gardera comme ça. Et donc voilà. Hop. Et là, c'est page blanche. Il faut que je continue. Donc je continuerai ça ce week-end. Mais en tout cas, j'ai déjà bien avancé. Je suis très contente. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, il est 17h. Maintenant, je vais aller de nouveau travailler un petit peu, voir ce que j'ai à faire, à finir en tout cas. Et puis voilà, ce sera la fin de la journée. Et ce soir, c'est Pékin Express, donc je suis trop contente. Je vous laisse. Jour 5 avec moi, on est vendredi matin. C'est le week-end de Pâques, mais sauf que je travaille, comme je vous disais, je crois que je vous l'ai dit hier, il me semble. Ouais, je travaille, il est 8h40 et je vais pas tarder à partir à mon rendez-vous. Donc je bosse de 10h à midi, normalement. Et ensuite, probablement que je vais rentrer chez mes parents pour fêter le week-end. Voilà, comme ça j'aurai quand même un peu l'après-midi, même si j'ai une heure de route, donc le temps que je rentre... potentiellement l'après-midi sera déjà bien entamé, mais ça va être cool. Voilà, en tout cas je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant parce qu'il n'y aura pas de choses vraiment intéressantes. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je pense que la semaine prochaine ce sera une vidéo je mange Picard pendant 24 heures parce que maintenant que j'ai déménagé sur Colmar, j'ai un Picard pas loin et je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer quelques produits et mes produits probablement peut-être favoris. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye !